doing it. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Black Ops 3. Donc pour le premier glitch, il faut venir ici sur la map. Donc c'est au même endroit qu'il y avait glitch avant. Donc il a été patché celui-là. C'est pour ça que je vous montre le deuxième glitch que j'avais prévu juste pour après, pour pas sortir les deux en même temps. Sinon, ils auraient patché les deux en même temps. Voilà, donc c'est comme ça. C'est tout simple aussi à faire comme l'autre. Et vous serez sur un bon spot à cacher un peu dans les branches. Voilà, donc c'est tout pour le premier glitch. Donc cette vidéo, c'est 3 glitchs sur la map Verge. Alors pour cette vidéo qui m'a pris assez beaucoup de temps à faire, le montage et tout, donc vous savez, ça me prend beaucoup de temps les vidéos. C'est pour ça que j'aimerais que vous lâchiez un petit peu plus de likes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes aux vidéos. Sur cette vidéo, j'aimerais bien 10 likes, ça serait gentil. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous y abonner. Voilà, donc après le deuxième glitch, il faut venir ici, courir vite fait comme ça, et sauter là-haut. Vous voyez, vous venez ici vers les cailloux, vous faites un tout petit peu courir, vous sautez et hop, vous serez sur le spot où il y a les petits pics comme ça. Voilà, donc vous allez voir, là je vais réussir, et après le deuxième spot, c'est juste derrière. Allez, hop, et voilà, vous êtes sur les pics après, vous pouvez le décaler sur le deuxième pic là. Et le deuxième spot, c'est, vous voyez, vous pouvez déjà tout tuer ce qu'il y a là, et ce qu'il y a derrière vous, et en dessous de vous. Donc c'est déjà pas mal, et le deuxième spot est encore mieux. C'est juste de l'autre côté, vous voyez, donc vous sautez comme ça et vous atterrissez sur les pics de l'autre côté. Donc je n'ai pas réussi du premier coup, mais je vais réussir, ne vous inquiétez pas. Là donc je disais, en attendant que je réussisse à aller sur le deuxième pic, je disais que ça serait bien que j'ai 10 likes sur cette vidéo. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, donc là vous voyez, il faut que je fasse ma vidéo, que je la prépare avant, après que je fasse la facecam, il faut que je la mette en hauteur et tout, il faut que je mette la musique, il faut que je mette les effets et tout, et après il faut que je fasse le rendu, ça me prend au moins 3 heures par vidéo, c'est pour ça, donc même si c'est une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, ça me prend du temps. Donc j'espère que ça, que mon travail vous plaît. Donc pour dire à ceux qui me posent des questions combien je gagne d'argent et tout sur YouTube, donc je gagne 3 centimes par mois, et les 3 centimes ne sont pas pour moi, sont pour mes sponsors. Donc mon sponsor est Gamoniac et Zappy Day. Donc de toute façon, je fais pas ça du tout pour l'argent, je fais ça pour m'amuser, pour vous partager des glitchs et tout ça. Voilà, donc vous voyez, là j'ai réussi à y aller, et là vous sautez comme ça sur le deuxième glitch, et sautez bien sur le pic comme ça vous êtes sûr d'y rester. Et voilà, après vous pourrez tout mitrailler là, tout chez là et l'autre côté aussi. Donc j'avais pris mon système trophy, non, comment ça s'appelle ça? C'est un truc pour pirater les machins. Et j'avais pris mes haches, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Outside in the all black crap, 10 rolled up and I'm on